Ok, bienvenue dans l'épisode 7. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, après d'âpres discussions diplomatiques dans cet anglais, regardez ça, j'ai réussi tout simplement à apaiser un peu les esprits, moyennant finance et moyennant dons de technologie, évidemment. Ici, au Sri Lanka. Au Sri Lanka, nous avons réussi à bouter les Prussiens hors du Sri Lanka, ce qui m'a permis de faire la paix. Les Autrichiens, je leur ai donné en gros toutes mes technologies, tout mon fric, pour qu'ils me laissent tranquille, parce que là, ils commencent à être un peu oppressants. Hein, vous voyez, les trois armées qui sont ici, là. Ensuite, Hanovre s'est fait prendre son territoire par le Danemark, c'était un peu chiant. Et nous avons réussi à faire la paix à peu près avec tout le monde, sauf. Avec eux là, la Saxe et la Bavière, donc on va aller les attaquer. Mais il faut d'abord panser les plaies un peu de ce qui s'est passé parce que là ça a été extrêmement violent. Et ici au Maghreb, on crée une armée hein, doucement ici au Maroc pour aller soutenir cette armée ici pour aller reprendre notre territoire. Et ouais, c'était trop là. Là il y avait trop d'ennemis, c'était trop le bordel. J'étais obligé de signer la paix. La guerre continuera entre les nations, mais pas avec moi en tout cas. Hein. Ouais, c'est parti en vrai à cause de moi, mais je me retire de ce conflit. Alors là, le problème vraiment, le problème ici là pour cet état germanique, c'est ça là. C'est le Danemark. Hein. Le Danemark est terrible. Terrible Danemark quoi. Ils sont en guerre contre qui? Contre Munster, c'est tout. Et Hanovre. Alors pour en fait, je vais prendre Munster, je donne à Hanovre et après Hanovre aura une frontière directe avec le Danemark en fait, c'est ça le problème quoi. C'est vraiment un problème ce Danemark là. Qu'est-ce que je peux faire putain? Le problème c'est que ça, vu que je suis pas encore extrêmement puissant, je peux pas avoir de plan sur la durée pour l'instant parce que tout simplement. Je suis trop sujet aux invasions des autres, je suis trop fragile en fait. Aïe 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 aïe. Ou alors j'étends Hanovre par ici en passant par Munich, puis Dresde. Ça pourrait être en effet une solution pour éviter que Hanovre ait des frontières communes avec le Danemark en vrai. Ouais, je pense qu'on va faire ça hein. Et on va marcher sur la Bavière. Monsieur, On va marcher sur la Bavière. monsieur, en avant, marchez. Voilà ce qu'on va faire. On marche sur la Bavière pour la donner à Hanovre. Et ici on protège Hanovre et ici on protège le territoire. Et les Danois sont terribles. Alors, continuons ici. À votre service. J'ai un espion Dans ici. l'ombre. Eh franchement la Saxe aussi ils sont vénères. Ce n'est pas possible, monsieur. Bah je vais aller faire le siège de la Bavière, hein. J'ai pas le choix. Préparez-vous pour la guerre! En avant! Je n'ai pas le choix. Je n'ai Opération pas le de choix. siège en C'est comme préparation! ça. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eux. Milan? Eux. Préparez-vous! Marchez! Bah ils vont prendre la place Une de ligne l'armée de couronne! principale. Oui? Et le pays! Pour pacifier. What? Alors attendez. Niveau économique. Ça commence à être vraiment la crise. J'ai beaucoup trop d'armées. Je suis encore dans le positif, mais là, niveau économique, c'est en train de partir en vrille complet. Hein. Voilà. La Bavière qui se sent dans la merde et qui me demande un traité de paix. Bon, évidemment, non. Hein. Et eux qui me déclarent la guerre, mais qu'est-ce qu'ils veulent, quoi? What the fuck? Oh, les bâtards! Personne ne nous vaincra! Allez, dégage. Voilà. Mais ils ont craqué eux, vas-y, qu'est-ce qu'ils me déclarent la guerre là, Courlande, c'est une petite nation toute éclatée là. Eux qui me proposent la paix aussi parce qu'ils se sentent dans la merde. Wesh, mais c'est des ouf! C'est eux là. Non, c'est pas eux, c'est eux. Regardez comme ils sont minuscules. Vas-y, lâchez-moi, qu'est-ce que vous voulez? Vas-y, je leur donne des technologies, je m'en fous d'eux de toute façon. Juste pas qu'ils me chatouillent là. Vas-y, barrez-vous. Alors, les nations barbares que je suis en train d'assiéger, évidemment. La Bavière que je suis en train d'assiéger évidemment aussi. Munster que je vais aller détruire en fait. Hein.
votre majesté. Alors on regarde les alliances quand même, on sait jamais pas tomber dans la catastrophe. Ok, bon ils sont en juste sous protectorat de la Saxe. Donc c'est ça, on s'en fout, c'est un pays que je suis en guerre contre eux. Ouais, bon ça a pas passé par contre, hein. C'est très très mal ce que je fais, vraiment les nations vont me détester de faire ça. Vont me détester. Voilà, on Les les assiège. porcs pourrissent dans leur porcherie. Voilà, les porcs pourris dans la porcherie, très bien. Mes ressources financières, toujours les catastrophes. Village Ici, assiégé. ça va flancher. Et voilà. Et voilà, on va passer le tour, tout simplement. On va passer le tour. Ça va quand même pas mal. Par contre, là, le truc que je viens de faire. Voilà, les gens me détestent. Je crois que j'ai fait un acte de trahison, hein. Traité déshonoré, moins de 200. Voilà. Là, ça passe vraiment pas, quoi. Ça passe vraiment pas parce que j'avais un accord commercial et j'avais un accès militaire à leur terre et je leur ai déclaré la guerre. Et ça passe clairement pas, ça. Oh, le monde a vu que ma nation était un état voyou. J'ai pas le choix, quoi. La Bavière, non, mais non, on va pas faire la paix, les gars. On va pas faire la paix, je vais vous anéantir. Voilà ce qui va se passer. La victoire est à nous. Et ouais, la victoire. Non, les barbares, j'en vais pas faire la paix non plus. Ah putain, eux, ils me détruisent mes terres, quoi. Aïe, 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 aïe. Mon école catholique. Bâtard. Ça se fait pas. Ok. Ok, bon, ben là, ok, d'accord, ça se passe. Là aussi, ça se passe. Là aussi, ils se rentrent dans un tour. J'espère Village assiégé. qu'ils vont juste se rendre. Ben, je pense pas, hein, ils vont se battre, hein. Bon, Cible assiégée, monsieur. eux, on va les attaquer. Prenez vos rappels pour la bataille. Voilà, pour les rayer de la carte, hein, au passage. Hourra! Allez, Hourra! ciao. Merci, Munster, d'avoir participé. Mais maintenant, tu es une nation destroyed. Nickel. On influence grand lit en Europe. Mais les gens me détestent. Les gens me détestent. France. Traité déshonoré. Ça me fait vraiment mal quand même. Ça me fait vraiment très mal. 200 tours, ça fait quoi? Ça fait 50 ans, pendant 50 ans, j'aurai cette réputation de merde là. Sérieux? Putain, même les Espagnols. Même les Espagnols, ils m'aiment plus. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dur, hein. J'avais pas le choix. Et ici, est-ce qu'on pourrait pas Village mettre un assiégé. terme aussi à cette mascarade? Ouais, hein. La vertu et la valeur invaincues. Voilà. Alors, on arrête les conneries. Ok. Et on va directement donner ça à Hanovre. Ça donne envie de le garder pour soi, quand même, hein. Prêt à recevoir vos ordres. Alors, Hanovre, tiens. Voilà, bah c'est bon, on a quand même pas mal géré. Hostile, même Hanovre est hostile. Ah, quand même. Ok, tiens. Tiens, Hanovre, prends ça. Donc, Cadeau. ordre. Regardez, et eux directement, vous voyez, ça va mieux dans leur ville. Regardez les citoyens en bas là. Moi c'était rouge et eux ça va, c'est jaune. Ça franchement c'est un Sire. peu. C'est un peu de l'abus quoi. C'est un peu de l'abus je trouve. Hein. Votre Majesté. Ok. Bon. Voilà, maintenant il va falloir penser les plaies. Hein. Il va falloir penser les plaies. On va faire des armées doucement mais sûrement. Et la prochaine cible, ouais, bah du coup Bavière Nation Destroyée, prochaine cible, la Saxe. Et notre rêve d'un état nous protégeant à l'est sera presque, je dis bien presque, accompli parce que là j'ai une sacrée frontière de merde avec le Danemark ici, mais bon, c'est pas grave. Ici, ça va flancher, hein. Nation de siège en préparation. Voilà, très bien. Préparez-vous pour la bataille. Nation barbare destroyed. Voilà. Ils se sont rendus. Les bâtards. Ok, bon, j'ai de nouveau le Maghreb à moi. Bon, bah écoutez, cette guerre a quand même été plutôt positive dans l'ensemble. Hein. On s'est quand même. Ça a quand même un peu amélioré les choses. Le seul gros bémol de l'histoire, c'est là, le Danemark.
plus bah, ma réputation qui est un peu flanchée quoi. Ils ont un accès militaire? Bah non, mais non. Je vais pas leur donner un accès militaire pour qu'ils attaquent à Nord. Allez, cassez-vous. Bah, vous de mes terres. Par contre, du coup, ça va. Faut pas kiffer, hein. Ils vont pas kiffer, évidemment, ils vont pas kiffer. Et là, du coup, objectif, Dresden. Ils n'ont pas de frontière commune, hein. Monsieur, vos ordres? Par contre, ouais, Dresden, ils ont une frontière commune avec le Danemark ici. Donc, le Danemark pourra passer par là et attaquer. Et attaquer Hanovre, qui aura alors Dresden. Oh, c'est compliqué tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va temporiser. On va faire des guerroyages contre Dresde et la Saxe pour l'affaiblir au maximum. Et en fait, ce qu'il faut à tout prix, c'est qu'il faut que le Danemark me déclare la guerre à un moment ou à un autre, quoi. Parce que si je leur déclare la guerre, laisse tomber, je vais me prendre la foudre encore une fois. Donc, ouais, pour l'instant, on va panser nos plaies, hein. On verra bien ce qui se passe en espérant ne pas se faire attaquer à droite à gauche. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, hein. Mais que la Prusse m'attaque. Donc, du coup, je viens de passer un tour. On est en 1720. J'essaie un peu de stabiliser et de réorganiser mon royaume qui devient doucement un empire. Mais en vrai, les Prussiens qui m'attaquent, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Parce que ça me permettra de les attaquer tout simplement, hein. Ah bon, faudrait pas qu'ils aient une armée cachée quelque part. Mais ouais, du coup, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir, du coup, peut-être les vassaliser, je ne sais pas. C'est pas de suite, hein. C'est pas de suite parce que y a un problème de Saxonie. Rébellion. Rébellion ici, c'est pas du tout le moment pour la rébellion non plus. Et par contre, le Danemark, ils mettent un peu en pression, non? Ou je rêve? Ah ouais, du coup, le bordel ici est reparti. Hein. Voilà, moins 17. J'avais tout pacifié, je venais à peine de tout pacifier et paf! Et puis paf! Bon, en vrai de vrai, voilà. Je Opération pense que je me spéciale, prends un peu trop la compétition! tête. Je voulais vraiment vassaliser les Allemands, enfin les Prussiens, mais ils veulent pas. J'ai tout tenté pour essayer de les sauver de leur folie. Mais je ne peux. Donc on va tout simplement Ils se cachent sous les jupons des femmes! les éradiquer de la surface de la Terre. Nous avons triomphé et invaincu! Voilà, éradication. Sonnez le rappel pour la bataille! Nation destroyed. Voilà, c'est bon, on n'en parle plus, ils m'ont saoulé, plus de Prussiens. Ils m'ont gavé. Donc on va vite donner ça à Hanovre. Ouais, ça va pas fort, hein. Les gens me détestent. On va donner ça à Hanovre. Tiens, Hanovre. Prends. Prends donc cette région. Et fais-toi plaisir avec. Alors, regardez, elle est directement pacifiée. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et du coup, maintenant, il reste bah, la Saxe, tout simplement. La Saxe. Par contre, là, c'est chaud, hein, parce que là, je leur ai filé un territoire un peu pourri, à vrai dire. Ouais. J'ai affilié un territoire un peu pourri et isolé, mais bon, c'est pas grave. Je vais les défendre, cas où. Et au pire, ben, au pire, on Il a? déclarera la guerre au Danemark. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh! Oh! Alors, le Danemark, du coup, me déclare la guerre. C'est plutôt bon. On va pas appeler les alliés à l'aide. Hein. Je rappelle, je suis déshonoré, encore une fois. On les appelle pas à l'aide. Par contre, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, mon armée. Bon, d'un côté, tant mieux, c'est ce que j'attendais, mais putain. C'est chaud patate. Vas-y, 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 Nous sommes cassez-vous. puissants et invaincus. Ouais, cassez-vous, vous faites quoi là? Vas-y, barrez-vous. Donc, il va peut-être y avoir moyen, hein, de. Vas-y, vas-y, lâchez-moi, lâchez-moi. Peut-être y avoir moyen en fin de compte de créer notre état là. Oh, qu'est-ce qui se passe? La Pologne-Lituanie qui attaque Hanovre. Aïe 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 aïe. Ah, c'est relou quoi. C'est relou. Bah ouais, je suis obligé de l'aider, hein. Je suis obligé. Je suis en train de créer un état tampon, je vais pas les abandonner à la première difficulté quoi.
Ah, c'est relou. C'est le loup. Vas-y, vous, mais non, mais arrêtez de vouloir m'extorquer des fonds. Les Indiens qui me demandent un traité de paix par avec 7000 pièces d'or. Vas-y, barrez-vous. Ok. Ah, je crains fort pour. Putain, les Danois avaient dû récupérer ça. Ah, les bâtards, quoi. Ah, ils ont attaqué. Ils ont attaqué ici aussi? Non, je crois pas, je les verrai quelque part. Hein. Ok, bon, faut que je. Faut que. Je répare cette armée. Les deux armées qui sont là, elles sont totalement éclatées. Là, il y a une armée danoise. Il y a une armée danoise ici, il y a un homme qui peut pas, qui pourra pas se défendre. Oh, mon dieu. Et vous là, vas-y, envoyez des soldats là-bas. Hein. Au bout d'un moment, débrouillez-vous quoi. La Saxe. Aïe 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 aïe. Ça part un peu en biberine. À vous autres. Voilà, bon, là j'ai quand même eu des grosses armées ici. Ça, elles sont pas Prêt trop à recevoir éclatées. vos ordres. Je sais pas trop quoi faire en vrai. Faudrait que je prenne un œuvre, À vos simplement. ordres, votre majesté. Faudrait prendre un œuvre. Pour le rendre à un œuvre. Mais là, cette armée qui est là, là, elle me perturbe. Votre humble Je peux serviteur. pas y aller en plus, hein. À vos ordres. Je peux clairement pas y aller. Aïe. Ouille. Aïe aïe. Après, ils sont. L'armée est un peu détruite. Il y a moyen que ce soit celle qui était là. Qui est allée là-bas. Comment faire? Là, j'ai la Saxe qui me met une sacrée pression de ce côté-là. Ils peuvent envahir Hanovre. Enfin, je pense que le mieux, c'est de rien faire. De pas bouger. Faut que je recrée des armées, hein. Faut que je recrée des armées. Ça va me ruiner cette histoire. Ça va tout bonnement me ruiner. Qu'est-ce qui se trame? Oh! Ah, en vrai, là j'ai quelques soldats ici. Ça c'est l'armée d'Hanovre. Ok, bah go, hein, go les fumées. Yes, ils attaquent Hanovre. Bah très bien. Ils attaquent avec un canon. Bon, c'est pas grave. Vas-y, go les buter. Victoire! Voilà. Bam! C'est bien Hanovre. Voilà, c'est ce qu'on attend de vous. C'est ce que le royaume de France attend. Vous preniez l'initiative un peu quand on est en guerre. Or, le problème de la Pologne-Lituanie là, c'est un gros problème. Hein. Raid, j'ai eu un raid ennemi. Oh les bâtards! Alors, mon économie hein, qui est. Oh putain, qui est catastrophique! Qui est catastrophique, mon économie! Ici, un homme ne s'en remet pas. Les Danois attaquent par là. Oh mon Dieu! Mais ici, au moins, c'est sécurisé. Enfin, presque. Faudrait pas que les. La Saxe. Attaque par ici. C'est la crise. Hein. Ouais, c'est vraiment la crise là en vrai. Là, c'est vraiment la crise absolue. Hein. Niveau économique, je vais pas pouvoir passer le tour. Hein. Va falloir que je supprime une armée, que je fasse des guerres, que je parte des soldats. Que... Là, va falloir faire quelque chose. Hein. Peut-être. Peut-être que j'ai la solution à mon problème. Je vais aller là déjà. Préparez-vous pour la guerre! Il va éclater cette. Préparez-vous pour la bataille! Ok, est-ce que tu peux avancer plus? Préparez-vous pour la Je vais faire bataille! ça, voilà. Tac. Le siège. Les porcs pourrissent dans leur porcherie! Ouais, t'as raison, les porcs pourris dans la porcherie. Voilà, le siège. En Danovre. avant! À vos ordres! Par les forces françaises, évidemment, hein. Le siège d'Hanovre Marchez! commence. Prêt à recevoir vos Autre ordres? chose? En Et avant! on va y aller comme des fous furieux. Milord? On va taper dans le tas, hein, on va Vos éclater tout le ordres, monde. votre majesté? Voilà, tac, comme Prêt à ça. recevoir vos ordres? Et ici, ils ont plus de renforts parce que je fais un siège ici, du coup. Mais la ville où il y a le plus de soldats ne peut pas aller aider les pauvres petites troupes qui sont dehors. Force et honneur! Voilà. Donc, du coup, on tue tout le monde En avant! tranquillement. Pour la couronne et le pays! Et ensuite, bah écoutez, le siège. Cible assiégée, monsieur! Je pense bien qu'ils vont perdre leur ville. Nous sommes puissants et Voilà. invaincus! Et moi, au passage, je fais ça en simulant. Parce que comme ça, je perds beaucoup de soldats. Et ça me diminue mon déficit. Hein, parce que les soldats, il faut les payer, évidemment. Hein. Et du coup, là, bah maintenant, le coup de maître est fait. Hein. Voilà, tenez. Tenez, reprenez votre ville. Mes chers. Ah ouais, mais.
Attendez. En vrai, ils vont exploser, hein. Ils vont imploser, je leur donne trop de territoire, ils peuvent pas les gérer. Bon, tenez, allez. Prenez quand même, c'est pas grave. J'ai pas envie de... Ouais, non, c'est bon. J'ai pas envie de gérer ça, là, ça me saoule. Vas-y, prenez votre territoire, on n'est pas fou. Allons-y, recevoir vos ordres. Voilà, très bien. Oui, Maintenant, monsieur. cette armée, on va l'envoyer En là. avant. Comme ça, il n'y a aucune armée qui descendra du nord Oui. pour venir attaquer En Hanovre. avant. Pour la Monsieur. couronne et le pays. Et ensuite, avec ces armées-là, on va tout simplement Marchez. aller protéger Berlin. Il se cache sous les jupons des femmes. Et là, ce sera la Saxe qu'il faudra détruire, du coup, impérativement. Et puis, on aura créé notre fameux état. Village assiégé. Ouais, bah, je vais les assiéger, écoute, hein, je vais les assiéger, et puis voilà, hein, très bien. Ah merde, ouais, du coup, je suis en banqueroute. 2200 à gratter, quoi. 2200 à gratter, est-ce que je pourrais pas faire des échanges? Vendre des technologies. Tac, tiens, technologie, tu me payes 1000. Ils ont rejeté? Tu es sérieux là? Tiens, technologie. Merde. Banqueroute, c'est 2200 du coup. 3000. Franchement, ça va, c'est gratuit quoi. Voilà, merci les Espagnols. Voilà, gratter un peu d'argent, c'est terrible. Hein. Détresse dans laquelle je suis. Ouais, j'ai beaucoup trop d'armées. Danemark, traité de paix. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh, traite pas, ça peut être intéressant en vrai. Mais le truc, c'est qu'ils ont un Havre en frontière, quoi. Non, que dalle. Il faut que je prenne le Danemark. Il faut que je prenne le Danemark. Obligé. Tous sur le pont. Alors ça c'est le genre de bataille, je la simule, je la perds, j'en suis sûr. Alors que je la fais, je la gagne. La victoire est à nous. Bon bah je l'ai gagné. Coup de poker, putain, j'ai presque plus de soldats, mais bon. L'ennemi en approche. Il faut que je perde des soldats, il faut que j'en perde, j'en ai beaucoup trop. Hein. Ça y est, je repasse dans le positif. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vous. Milord. Oui, Milord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici là? Faut que cette armée elle aille ici. Hein. Troupes en avant. Cette armée aille Vos ici, ordres, faut que Votre celle-ci Majesté. En aille ici. avant, marchez. Voilà, avant qu'il y ait une rébellion. Et il y aura peut-être moyen d'écraser ça. Hein. Les ports. Personne ne nous vaincra. Alléluia, c'est bon, c'est fait. Aux armes. Pouh! Nation destroyed. Et on donne ça à mes bons amis. Tenez, voilà. Voilà. Ok, bon, on a quand même réussi, en fin de compte, à donner un sacré territoire à Hanovre. Hein. Voyez-vous, ici sur la carte de bataille, je sais pas si on y voit trop bien quoi. Ils ont quand même un bon petit territoire ici. Ça me protège, c'est quand même un bon glacis protecteur. Alors là, il faudrait que je prenne le Danemark en vrai. Parce que. Bah, comme ça fermera toute potentialité d'attaque. Mais je sais pas si je vais Monsieur, pouvoir y aller préparez-vous pour la aussi bataille. simplement que ça. Approche. Monsieur, marchez. Préparez-vous pour la guerre. Pas traverser là, en vrai. En vrai, il me faut une marine pour traverser. Ouais, je suis totalement. Mais ouais, putain, c'est chiant. Au niveau de la marine, c'est terrible. Hein. J'ai blocus sur tous mes ports. Et là, cette marine, elle protège toute la mer. Ouais, elle protège tout, quoi. Ma marine est bien trop faible. Oh, ici. Ça passe là par là? Oh, je peux tenter un coup de bigot. Je peux tenter un coup de bigot. Alors, elle est où ma marine? Vas-y, on va tenter un truc. Hein. Dans ces désordres. L'opportunité est là. On va débarquer. Tel des bourrins. En fait, pour ceux qui savent pas,
Genre les autres marines, elles ont un cercle rouge autour d'elles. Et si je Oh, rentre on a dedans bien avec une rien marine vu plus alors, faible, ce qui est le cas monsieur. là, bah il m'accroche et il me coule. Et du coup c'est ça la difficulté À là. vos ordres. Mais c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Officier sur le pont. Vas-y, je débarque. Voilà, Votre alors. Majesté. Bon, pour eux, mon armée est un peu fracassée, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ouais, j'ai réussi à faire un truc là, c'est pas mal, hein. En vrai, j'ai eu de la chance qu'ils aient abandonné ce port. C'était quel port? Je crois que c'était lui, hein. En plus, j'ai une armée qui le protège, mais très bien. Eh ouais, mon bateau qui va se faire atomiser, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. La flotte est perdue! Notre armée a réussi à aller là où elle devait aller. Donc c'est très bien. Et oui, bah c'est trop tard le Danemark pour agir. C'est trop tard. Vas-y, vas-y, vas-y. Passe. En gros, là, je peux intercepter la flotte si j'ai envie, mais bon. Voilà. Ça sert à rien de perdre une flotte gratos qui protège un port. Voilà. Pistretti. Ah bah voilà, là, c'est bien. Là, on est d'accord. Tu me demandes pas d'argent, mais tu veux la paix. Bah voilà. Parfait. Eh ouais, le beau. Et maintenant, vous êtes fait. Vous êtes fini. Pourrissent dans leur porcherie. Victoire! Adieu. Préparez les Bim. troupes pour la bataille! Ça dégage. Non, ils sont pas éradiqués. Ils sont pas éradiqués. Il y en a encore ici. Et il y a encore l'Islande qui appartient au Danemark. Mais au minimum, ils sont boutés de ma sphère d'influence. Et de la sphère d'influence d'Hanovre. Je vais même pouvoir rentrer chez moi. C'est pas beau ça. Alors, tac. En Autre chose. avant! Marchez! Passer par là. Hanovre. Toujours, hein. Toujours Hanovre. Tiens. T'es hostile envers moi? Bah, quand même. Quand même, Hanovre. C'est pas cool là, avec tout ce que je fais là. Pour toi. Ouais, franchement, Hanovre, hein. Vous voyez le territoire qu'ils ont maintenant? Costaud, hein. J'ai quand même gardé Cologne pour moi. Parce que Cologne, pareil, hein, niveau défense du territoire, c'est beaucoup plus simple. On va rester à côté quand même au début, on sait jamais, hein. On sait jamais ce qui peut arriver. Troupe, en Voilà. avant. En fait, pour défendre le territoire, je sais pas si vous voyez, bon, il y a Hanovre, du coup, qui enfin crée mon état tampon, ça y est, il a enfin réalisé mon rêve d'un état vassal puissant, qui doit quand même se sortir un peu les doigts pour essayer de créer des armées et rafistoler les villes que j'ai détruites. Mais, mis à part ça, j'ai enfin réalisé ce rêve-là, première étape franchie, on va dire, où je pourrais me protéger des Européens de l'Est assez facilement grâce à Hanovre et aussi grâce aux frontières que j'ai construites ici. C'est ça le plan. En fait, une fois qu'on aura que les alliés qui m'attaqueront évidemment auront potentiellement détruit Hanovre, ensuite ma ligne de défense c'est Strasbourg, donc avec un pont ici, ils peuvent passer que par là. Cologne, avec un pont ici, ils peuvent passer que par là ou carrément la ville. Et ensuite, Amsterdam. Avec pareil, la ville qui défend et un pont derrière au cas où ça sature. Donc en gros, j'ai le Rhin ici, plus les Alpes qui me protègent de tout. Et ici, pareil, j'ai juste à mettre une armée là pour me protéger de la Savoie. Ou même si je prends la Savoie, ce qui est quand même dans les plans, c'est un peu plus compliqué à protéger, mais en vrai, c'est pareil, je mets une armée là ou directement à Turin pour me protéger quoi. Donc ça va, c'est quand même assez facile à défendre. Le territoire naturel, la géographie naturelle de cet espace est relativement facile à défendre en fait. Grâce au Rhin, surtout, et grâce aux Alpes. Donc merci les Rhins, le Rhin, merci les Alpes. Voilà, la première étape de construire un précaré français est enfin terminée. Et maintenant nous allons pouvoir passer à une gestion territoriale un peu plus ténue, un peu plus intelligente. Voilà, on va arrêter de rusher la guerre. On va rusher la défense et l'économie parce que là c'est fragile. Hein. 3300 là c'est extrêmement fragile. C'est extrêmement fragile, il me faut une économie puissante. Hein, vraiment, et après on sera un peu mieux. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous donne rendez-vous dans le suivant où la France va changer. Le royaume de France deviendra bien plus puissant. Voilà, ça fait 24 ans que cette partie a commencé. Il est temps de devenir une puissance majeure maintenant. Allez, tchuss!